Oui, bonjour. C'est bien le centre antithermite. Enfin, c'est le centre régional d'isolation, oui. Ah, oh, vous pouvez peut-être m'aider parce que là, tout mon bois est attaqué actuellement par les termites. Oui. Et c'est horrible, évidemment, donc tout s'écroule autour de moi, voyez-vous. Et j'aimerais être tranquille. Oui. Et vous êtes de quel secteur? Alors, vous voyez le cimetière. Dans quelle ville? Ah ben je suis à Aurillac. Oui. Et donc tout le bois qui est autour de moi commence à s'écrouler. Oula. Ah oui. Oui, là je suis sur la terre là bientôt là, ça continue comme ça. Quand même pas si vite. Ah ben si, vous savez, il y a 2 cm entre le bois et la terre. Bon, alors on va noter les coordonnées puis comme ça le technicien vous rappellera rapidement pour voir qu'est-ce qu'il peut faire déjà, hein. Oui. Alors, vous me donnez vos coordonnées? Alors donc Monsieur Bernard Lamolle, L-A-M-O-L. L-A-M-O-L. Oui. Alors l'adresse, bien sûr. Alors, donc, Bernard Lamolle, 1921-2009. Hein. Et donc, je suis au cimetière. Pardon? Vous êtes au cimetière? Oui. Vous habitez dans le cimetière? Oui, absolument. Mais... À l'EB. Attendez, vous habitez dans le cimetière? Oui. Et vous avez des termites? Oui. C'est une maison qui est dans le cimetière? Non. Oui, alors c'est quoi? Vous habitez dans quoi? Je suis donc Allée B, parcelle 34, et vous me trouvez facilement, il y a mon nom sur la plaque, hein, tout de suite. C'est pas possible! Pardon? Je dis, c'est bizarre, parce que... On ne peut pas venir traiter... C'est un caveau, alors qu'est-ce que c'est, une tombe? Non, il n'y a pas de tombe, c'est juste le cercueil. Non, mais le cercueil, il est enterré. Oui. Donc, on ne pourra pas aller traiter, nous. Pourquoi? Parce que déjà, il faudrait... je ne sais pas, tout déterrer. Et si vous êtes dans le cercueil, excusez-moi, mais c'est bizarre. Comment vous pouvez m'appeler, alors? Mais parce que ils m'ont laissé mon téléphone. Ben oui, mais comme je suis mort il y a 15 jours, mon abonnement est encore valable. Oh non, écoutez, je voulais vous aider, mais là je crois que je pourrais pas vous aider. Alors que vous m'appelez du cercueil avec votre portable, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi. Mais madame, mon abonnement est encore valable, c'est pour ça que je vous demande de venir vite avant qu'on me le coupe, hein.